Salut tout le monde, c'est Valentin pour un autre tuto sur Gran Turismo 5, mais cette fois-ci, c'est pour changer la couleur de n'importe quel véhicule, les suspensions et l'argent. Donc, lien dans la description, moi j'ai déjà téléchargé, on le met sur le bureau, c'est plus simple, on va créer un nouveau dossier, on l'appelle comme on veut, moi je vais l'appeler GT5 Editor. Ça donne donc faut WinRAR ou 7zip, mais bon, tout le monde l'a. Mais je mettrai quand même 7zip dans la description, on sait jamais. Donc, moi, 7zip extraire ici. Dès que ça c'est fait, GT5 Editor. Ok, là on met son pseudo PSN. Moi, c'est Valentin The Geek. Alors, je mets Valentin The Geek. Sinon, je crois pas que ça marche. Je suis pas sûr, mais bon, au mieux sûr. La sec backup, on cherche la clé USB. Avec la sauvegarde de Gran Turismo 5, moi c'est F, PS3 et la sauvegarde, on fait OK. Donc pour les crédits, hein. Crédit, on fait fixe crédit. Et en un clic, on a 20 millions de crédits. Je crois que ça marche en mes puces, mais bon, pour être sûr, je mets 20 millions. Ça suffit largement. Donc si c'est bon, on a un message de ce style. Si c'est pas bon, il y aura marqué erreur. Et vous refaites Select Backup. Donc dès que ça c'est fait, on va dans Hybrid Your Car. Donc voilà, il y a tout ça. Je vais pas tout expliquer. Hein. Ben, au moins le châssis. Donc voilà, châssis, un exemple. Si on veut celui de la Red Bull, on fait. Bon, on le cherche, c'est Gran Turismo Red Bull. Voilà. Donc pour la couleur, ça change la couleur de n'importe quel véhicule, une Formule 1, tout le bordel. Ben, même la Red Bull, il me semble, à vérifier. Donc voilà. On a Gold Chrome, la celle que tout, ce la couleur que tout le monde veut, je suppose, et Chrome Silver. Moi, je mets Chrome Silver parce que je préfère ça par rapport à l'or. Donc pour les suspensions, c'est 8. Pour avoir une caisse super basse, c'est 0,1 et 0,1. On peut aussi la mettre super haute, mais faut pas faire au-dessus de 1000 parce que j'ai mis 1000 et ça a bugué. Donc c'est entre 0,1 et 999. Enfin, vous me direz. Ça comme ça, moi aussi. Mais bon, comme je rabaisse surtout mes caisses. Donc, sinon, voilà. Ah oui, loi de Carafo. Donc, voilà, il y a tout ça. Si vous savez pas ce que ça veut dire, certains mots, il y a Google Traduction. Ça, removing, je crois que c'est pour les ailerons, je suis pas sûr. Il y a marqué. Ouais. Donc ouais, il y a Google Traduction, mais il est super simple, on peut tout changer. Voilà, c'est super simple. HP, je crois qu'il faut mettre 255. Ça, c'est pour les chevaux, je pense, c'est même sûr. Crib, je sais pas trop, mais bon. Voilà, il y a Google Traduction, comme j'ai dit avant. Donc, dès que vous avez fait ce que vous voulez, vous cliquez sur Hybrid Car. Bon, il y aura un petit message pour dire que c'est bon, il l'a fait. Voilà, c'est bon, fixer du hybride. Donc voilà, ce tuto est déjà fini. Tous les liens sont dans la description, cette zip et le logiciel. Je ferai peut-être un tuto écrit parce que pour ceux qui m'ont pas trop compris. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao! Turn my music high, 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 high. Turn my music.